Apa, apa, bravo la tout, le général des généraux, le général des étoiles de la lune et du soleil, grade infinie. Chers amis, chers camarades, il y a un comportement qui se passe. Bon, si vous voulez, il y a un phénomène. Ce phénomène-là, les gens ne parlent pas dedans. Mais si on n'y prend pas garde, qu'on reste dans ça, un jour viendra, on va dire, ouais, les vigiles qui prennent garde devant les banques-là, ces vigiles-là, quand tu vas pour faire retrait, ils veulent forcément que tu leur donnes leur part. C'est pas du tout, du tout bon. Imaginez-vous, la sécurité qui est corrompue, c'est un problème. Donc ce message-là, je fais passer à tous les responsables des sociétés de sécurité. Essayez de parler à vos éléments. Essayez de parler à vos éléments. Ça fait que même aller faire un retrait, là, ton propre argent, là, on dirait que tu vas voler ça. Tu es obligé de te cacher pour aller faire. C'est pas normal. Ce dimanche tout près, là, j'ai un proche qui a eu un souci grave pendant qu'il était avec moi dans la voiture. Je décide de chercher un guichet automatique pour aller faire retrait. Et le gars, il est à côté de moi. Moi-même, j'étais tellement gêné, tellement sur le choc. J'arrive là, les gars, ils veulent forcément s'amuser avec moi. Je leur ai fait comprendre que c'est vrai, je suis artiste, je suis comédien, c'est vrai, vous aimez mon affaire, mais aujourd'hui là, laissez amusement là où je suis, là, je suis en détresse, laissez amusement là. Le Virgile a eu le courage de me dire que ouais, c'est parce que tu n'as pas envie de nous donner l'argent que tu veux nous mettre dans le fognon. Je vous jure que quand il a dit ça, là, je ne savais pas quoi dire. Tellement j'étais dépassé. De savoir que parce que je dois leur donner de l'argent, ils s'en foutent de ce que j'ai. Quand quelqu'un va déjà pour faire un retrait là, c'est qu'il est dans les besoins, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense que en tant que sécurité des banques, c'est la première des choses qu'on doit penser. Et si la personne a eu le courage de dire, mon frère, aujourd'hui, calme-toi, voilà, c'est comme ça. Il faut comprendre, il ne faut pas faire comme si tu as un droit sur la personne qui doit forcément te donner ça. Donc, chers camarades, chers propriétaires d'agents de sécurité, parlez à vos éléments, c'est très important. Parce que si on reste dans ça là, vraiment, c'est pas bon quoi. Quand les gens quittent dans d'autres pays, ils arrivent chez nous, c'est la honte totale. L'Ivoirien demande l'argent sans avoir honte. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ciao, ciao. C'est les informations du couloir. Apa. Apa. Bravo, la tour.